La parole est pour le mouvement démocrate à Madame Maud Gatel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci Madame la Maire. Merci, Monsieur le Vice-président, de votre présence ce matin qui nous touche beaucoup. Et je voudrais remercier tout particulièrement notre président qui, par sa nouvelle invitation, permet à notre commission d'agir en continuité avec les travaux qui avaient été réalisés jusqu'alors sous l'égide de Marielle de Sarnez. Et je le remercie tout particulièrement d'avoir permis cela. Alors, vous le disiez, Monsieur le Président, l'action de nos deux invités force l'admiration et votre courage nous inspire indubitablement. Alors, j'avais un certain nombre de questions à vous poser. Vous disiez en avril dernier, à l'occasion de la Biennale des villes en transition de Grenoble, vous faisiez un parallèle entre la saison du printemps et l'idée du renouveau de notre ville, de votre ville et de sa région. L'été va désormais arriver. Alors, le groupe Mouvement démocrate souhaite évidemment que cette nouvelle saison soit l'occasion pour Raqqa et pour vous, Madame, de faire grandir ses relations avec ses alliés et qu'il soit partie prenante de cette entreprise de reconstruction. Vous l'évoquiez, au-delà du soutien financier que Raqqa nécessite, vous évoquez aussi le besoin d'expertise en matière de maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Donc, à ce titre, comment peut-on vous aider sur cette question bien spécifique ? Question du retour de la population, est-ce que vous vous êtes fixé un certain nombre d'objectifs en matière de calendrier, notamment pour que les habitants de Raqqa puissent revenir dans leur ville? Question en lien avec la nouvelle gouvernance américaine, à la suite du désengagement américain, les conséquences ont été fortes à Raqqa et dans la région. Est-ce que vous voyez, avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, des perspectives de changement? Et puis enfin, dernière question, Madame la Maire, qui s'adresse tout particulièrement à vous, quelle place et quel rôle souhaitez-vous donner aux femmes dans la reconstruction et dans la réunification de votre ville après les années de souffrance que vous avez vécues? Je vous remercie. Oui, laissez-moi ajouter que Madame Mustapha, que Madame Gatel, qui vient de s'exprimer, était la plus proche, pendant des années, la plus proche collaboratrice de Marielle de Sarnez, qu'elle en était la suppléante à l'Assemblée nationale et qu'elle en est donc devenue, députée à la suite du décès de Madame de Sarnez. Elle est tout à fait proche, elle incarne la continuité et l'esprit de fidélité à la mission de Marielle.